Considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire du tennis, Rafael Nadal est l'un des meilleurs joueurs de simple de tous les temps. Si la carrière du sportif n'a aucun secret pour ses fans, il y a un sujet sur lequel il reste très secret, sa vie amoureuse. Et pourtant, Rafael Nadal a rencontré son épouse à l'âge de 7 ans. Après une belle amitié, si est finalement en 2005 que le duo tombait amoureux alors que Rafael Nadal débutait sa carrière. Un temps éloigné, si est pour le Télégraphe que Siska Perello confiait, l'idée de passer mes journées à l'attendre ne me plaît pas. Je me sentirais asphyxié. Et lui, ça l'ennuierait. Il ne resterait pas concentré sur son match. Finalement, si est en mai 2018 que le joueur de tennis demandait en mariage la jolie brune lors d'un séjour à Rome. Enfin, si est après plus de 15 ans d'amour que le couple se disait oui le 19 octobre 2019. Fille unique d'un entrepreneur et d'une employée communale de Palma de Majorque, Siska Perello est née le 7 juillet 1988 à Palma de Majorque. Si la jeune femme connaissait Rafael Nadal depuis son plus jeune âge, si est à l'adolescence qu'elle a commencé à développer des sentiments pour le sportif. Et pourtant, si est au début de leur histoire d'amour qu'elle décidait de s'installer à Londres pour poursuivre des études dans l'administration. Son diplôme en poche, la jolie brune intégrait en 2006 l'université des îles Baléares. Un an plus tard, elle était alors engagée par l'entreprise IMG, où elle organisait des événements sportifs. Finalement, si est en 2012 que Siska Perello quittait son poste pour rejoindre en tant que directrice de projet, la fondation Rafael Nadal. Discrète, la jeune femme est parfois aperçue dans les tribunes des tournois de tennis pour encourager son époux. Rafael Nadal, Siska a toujours été très importante pour moi afin de préserver leur couple. Rafael Nadal et Siska Perello ont décidé de ne presque rien partager de leur romance avec le public. Malgré tout, le joueur de tennis avait confié il y a quelques années à Paris Match, Siska a toujours été très importante pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Sans elle, ça aurait été impossible d'arriver où je suis aujourd'hui. Quelques mois avant leur mariage, CIST pour le magazine Hola que le sportif de 35 ans avait confié son désir de passer à l'étape supérieure avec son épouse. De toute évidence, j'ai l'intention de fonder une famille. J'ai mis les enfants et j'aimerais que mes enfants fassent ce qu'ils veulent.